C'est gratis, comme nous guettons, et attendance nous finit prend, mais c'est l'équipe présent, voilà. Maintenant, je vous dis qu'il ne peut causer, il ne peut causer encryption. Qu'il ne peut guetter, que ça vous fait là, tous les deux, comment je fais qu'expliquer, et bien, pour autant, je tiens à ça vous fait là, chaque terme de paper one, nous avons une bouclette. Nous avons term one, term two, term three. Vous avez trois bouclettes pour paper one. Là, nous avons term two. Term two, ce bouclette, il commence le chapitre encryption. Là, nous avons fait architecture, input device, output device. Après, nous avons monitoring and controls. Après, nous avons data storage, RAM. Là, nous avons storage, hard disk, voilà, nous avons expliqué, optical drive, network, IP address. Là, nous faisons operating system, etc. Translators. Et chapitre là fini. Voilà, semaine dernière, nous explique data transmission. Et nous explique ce dernier partie de data transmission, c'est encryption. Bon, qui nous explique de encryption, why there is need of encryption, qui fait nous faire encryption, qui fait nous code data, d'accord? Et nous explique symétrique encryption avec asymétrique encryption. Bon, voilà, c'est ce même papier d'examen qu'ils ont supposé atteindre, mais en même temps, nous pouvons poser question d'examen là-dedans. Correct? Allez. Maintenant, c'est une question d'examen là, nous vous posez et nous vous essayez de discuter ça. Correct? Et nous pouvons record vidéo là pour les élèves qui pas dans la classe là, après cette carrière de vidéo. Maintenant, sa question là, c'est aussi le livre Helen Williams. Ok, Helen Williams, ce livre, nouveau livre. Allez, nous commençons. Correct, mais c'est moi avant de commencer, nous allons faire une petite révision des encryptions. What is encryption? Encryption is a method pour is a method for securing. So, what is encryption? Is a method of securing data transmission. Comment les secure data? Les scramble data, mélanger. C'est-à-dire, les faire devenir meaningless. Correct? Et les prendre data, original data, qui nous appelle ça plain text. Original data, nous appelle ça plain text. Avec encryption, c'est un algorithme, une méthode. Nous convertissons ça plain text là en cipher text. Qui veut dire cipher text? Veut dire encrypted data. Veut dire scrambled data. Veut dire meaningless data. Bon, il y a décalé encryption, symétrique encryption avec asymétrique encryption. Symétrique encryption use the same key to encrypt and decrypt. Asymmetrique encryption uses two different keys. Et ça, deux different keys là, un appelé private key, un appelé public key. D'accord, ça c'est une méthode qui nous parle guetter. Ok, maintenant il y a une affaire qui est intéressante pour causer. Nous faisons une petite révision avant de prendre question l'examen pour se rappeler qui nous fait la semaine dernière. Voilà, là nous regettons un coup de because encryption. Ok, voilà. So, what is the purpose of encryption? Why do we encrypt data? Mais tu peux causer ça avec Banzele qui fait nous encrypt data. Because when data is transmitted over network, because wired or wireless, there is a risk that the data being intercepted by hackers or eavesdroppers. So these people, they intercept your data, and there is a risk that they alter the data, okay, and they misuse the data, okay. So what? So to we cannot prevent the hackers to intercept the data. We cannot prevent them. But we can make the data that is sensitive and confidential meaningless. And which data is sensitive and confidential? Like your credit card, bank account number, medical details, and legal documents. Now, what is the process of encryption? Encryption means you take the original data, which is called the plain text, you convert it into cipher text. Which is meaningful, very meaningless. Ça, on appelle ça encryption. Et encryption, c'est un key. Ok, secret key. Which is a method pour capable convertir en cipher text. Maintenant, cipher text à l'internet. Hackers gagnent, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils payent dans le key. Does not have the key. Maintenant, what is decryption? C'est de décoder. Encryption veut dire coder. Decryption veut dire décoder. Decryption veut dire convert cipher text into plain text. Correct? Et là aussi, il servit decryption key. Là, il servit encryption key. Là, il servit decryption key. Maintenant, si encryption key avec decryption key est pareil, on appelle ça symétrique encryption. Qui veut dire symétrique encryption? Comment est-ce que tu es derrière là? Veut dire servir même la clé pour encrypt avec pour decrypt, use the same key to encrypt and decrypt.
correct, on appelle ça symmetric encryption. Maintenant là, dans cet exemple là, on fait vidéo semaine dernière, on a vu ça, c'est l'exemple d'un key. Voilà, ça c'est encryption key, un exemple. Bon, qui veut dire 4, 2, 9, ça veut dire ou plus 4, et D veut dire ou plus 2, et 9 veut dire ou plus 9. Bon, mettons où il y a un plain text, c'est ça la ligne qui m'a écrit là, ça on appelle ça plain text. Et ça qui est appliqué sur encryption key. Et résultat qui est gagné, il y a un ciphertext. Il y a plain text, vin ciphertext, pas transformé par de encryption key. Voilà de encryption key. Bon, C de plus 14. Vin C, allez. D, E, F, G. Vin G. O plus D, orly. O. P, Q. Voilà. Et M plus 9, orly. Vin V. Et P plus N, orly. P, Q. Voilà comment il peut faire plain text, vin ciphertext. Pour servir sa encryption qui a. Maintenant, là, il arrive 4, 2, 9. 4, 2, 9, 1. Il arrive 6. Il recommence par 4, D. Il arrive comme ça. Voilà, maintenant, vous voyez ça. Là. Voilà. 4, D, 9, 1, 3, etc. Il vient 8, il vient 5. Et après 5, 6. Après 6, il recommence 4, D, 9, etc. D'accord? J'espère que tous enfin comprendre. Et voilà, de continuer. Ça, on a trouvé comment faire plain text. Vin, ça fait text pour appliquer sa encryption qui là. Et l'exemple d'encryption qui vient dedans. Je veux dire, computer science, là, nous encryptons. Ok? Computer science is exciting. Là, nous encryptons. Nous avons un mot comme ça qui est meaningless. Ça, mot là, nous sommes capables de lire des phrases là, nous sommes dire des meaningful. Mais les licences et les meaningless ne pas comprendre rien. La whole in the computer science is exciting, ne pas comprendre. Il est transformé et ne pas rien comprendre. Maintenant, si vous avez ça ciphertext là, et vous avez ça encryption qui là, vous pouvez reverse, vous pouvez decrypt, vous pouvez régler un original message. Correct? Voilà. Bon, là, on a expliqué comment faire plain text, vin ciphertext pour servir sa encryption qui là. Mais si je me servis même qui pour encrypt avec decrypt, on appelle ça symmetric encryption. Maintenant, qui veut dire asymmetric encryption? J'espère que tous les enfants peuvent comprendre. Hein? On va aller rentrer, on va reprendre attendance là, et on va servir là, dans attendance. Correct? Voilà, on va servir dans attendance. Continue. Maintenant, je vais vous expliquer asymmetric encryption. Qui veut dire asymmetric encryption? Asymmetric encryption veut dire nous trouver qu'il y a un problème avec symétrique. Qui problème avec symétrique nous a? Ok, nous trouver avec symétrique et un problème. One way of migrating the risk of symmetric encryption falls to wrong hand distribution, distribution problem. Qui veut dire un distribution problème, veut dire du monde capable d'intercepter qui là. Ok? Et là, asymmetric encryption peut servir deux keys. Qui veut dire ça, deux keys là? Un appelle private key, et l'autre appelle public key. Bon, public key, vous donnez tout du monde. Made available to everyone. Private key, tu gardes tout seul pour toi. Correct? Pareil, comment c'était, toi, quelqu'un arrive, toi, c'était un cadenas avec un lac-clé. Cadenas là, nous capable appeler comme public key. Nous ouvrir cadenas, nous donner n'importe qui du monde. Mais qui nous garde contre nous? Nous la clé. Qui fait nous garde nous la clé en nous? Parce que si quelqu'un pèse cadenas là, avoir une affaire secrète, une boîte secrète, les pèse cadenas là, il y a avoir nous. Nous capable nous tous seuls, capable ouvrir lui parce qu'il nous a sur private key. Il y a private key veut dire nous la clé. Et public key veut dire cadenas ouvert nous donner. Veut dire si moi moi n'a pas envoyé un du monde moi envie du monde envoyer moi un message si moi tu sais pas lire moi quelqu'un arrive moi c'était un père la clé, un père la clé veut dire un public key avec un private key. Public key veut dire cadenas, private key veut dire la clé. Et m'ouvrir cadenas me donne n'importe qui du monde et du monde allait pèse cadenas là dans boîte là y a envoyé moi moi tu sais qu'a pas ouvert parce que moi n'a son private key. Voilà, maintenant ça comment marche? Ok, les matching ça. Et bien là, tu regardes bien qui peut arriver. Si tu regardes bien qui peut arriver, il y a Jane avec Tom. Bon,
Jane, il a envie qu'il tombe envoyer lui un message codé. Correct? Jane a envie qu'il tombe envoyer lui un message codé. This Jane pour capable lire. Il y a Jane qui dit faire, il y a quelqu'un qui arrive, il y a ce NP à la clé. Voilà, Jane, il y a envie message codé d'une côté, il existe tout seul capable lire. Il y a Jane, il y a quelqu'un qui arrive, il y a ce NP à la clé. Bon, sa couleur bleue là, on appelle public key. Il y a un cadenas ouvert, il donne ça à Tom. Correct? Tom qui dit faire, il y a un cri de data là, il pèse ce cadenas là, dans la boîte là, il y a voie Jane. Et là, Jane, il est tout seul capable ouvrir parce qu'il y a un asso private key. Il y a la clé côté lui. On reprend lui. Et si Jane a envie de message codé, il y a envie de Tom avoir dit message codé. Il y a Jane qui a besoin de RI. Il y a un pair of keys. Qui nous peut faire? Symmetric encryption. Il y a un pair of keys. Qui veut dire? Il y a un public key avec private key. Mon public key, vous pensez comme un cadenas. La clé, vous pensez comme un private key. Et Jane qui peut donner Tom ce public key. Tom qui peut faire ce public key. Cadenas qui nous vient de lui. Il pèse, dans la boîte là, il pèse cadenas là. Existe tout seul Jane pour capable ouvrir parce qu'il y en a sur private key. Maintenant, voilà Tom, il servi Jane sur public key, il a un crypt data là, il a envoyé ça pour Jane. Existe Jane capable ouvrir parce que Jane il a sur matching private key. Voilà, ça c'est symmetric encryption. Maintenant, un affaire, vous avez remarqué que Jane, il est capable d'avoir un message codé avec n'importe qui joue. Il y a Tom, il y a Suzanne, il y a Mike, il y a Megan. Jane, qui besoin faire pour être capable d'avoir un message codé? Il est tout seul capable d'ouvrir hein, avec tout ce monde. Il veut dire Jane, il besoin d'un carré, il besoin d'acheter pair of keys. Il veut dire public key avec private key. Et il donne Tom so Jane so private key, public key. Il donne Suzanne so Jane so public key. Il donne Mike, Jane, so public key. Il donne Megan, Jane, so public key. Veut dire, il ouvert cadenas, il donne tout ce monde, il ouvert cadenas, il donne zot, il ouvert cadenas, il donne zot, il ouvert cadenas, il donne zot. Veut dire, ce monde, vous êtes capable d'encrypt data, de code data, vous avez ça Jane. Existe Jane tout seul pour capable lire ça data là, parce qu'il y a sur la clé pour sa cadenas. Veut dire, il y en a sur private key. Jane, ça ne met pas pour donner ce private key les autres du monde. Il vous donne seulement ce public key. Et ça va, du monde là, je prends Jane, ce public key, je envoie un message codé, je encrypte des data, je envoie Jane. Et Jane servit ce private key pour décrypter mon data. Maintenant, une question que tu peux poser ici. Correct? Si Suzanne, il y en a, si Jane, il y en a pour envoyer Suzanne, message codé. Et si Suzanne est là pour lire sa message, qui s'en a besoin de quincarie? Suzanne. Suzanne pour le quincarie, qui dit pour faire? Il pour acheter un public qui est avec un private key. Et Suzanne, qui dit pour faire? Il pour vous aider Jane, Suzanne, ce public key. Et Jane, qui dit pour faire? Il pour encrypt data là avec Suzanne, ce public key. Et il pour envoyer ça à Suzanne. Et Suzanne pour être ce private key pour capable d'écrire. Maintenant, de vous guette question l'examen. Voilà. Allez, vous êtes tout là. Vous guette un coup. Question l'examen, vous posez les questions et vous allez répondre. Allez, balle bobonne. Correct là? À tous les élèves, vous avez dans sa boucle là. Hein? Vous êtes capable d'écrire dans votre boucle. Allez, balle bobonne pour répondre. At the moment, Jane can on, at the moment, Jane can only receive encrypted documents from Tom. Veut dire, à ce là, Jane peut capable d'avoir seulement encrypted document from Tom. Describe what would need to happen for Jane to be able to send encrypted document to Tom. Veut dire, bon, là, il peut dire, toi, Jane capable seulement recevoir encrypted document from Tom. Veut dire, Jane capable d'avoir encrypted document from Tom. Jane est tout seul capable de lire ça, encrypted document from Tom là. Mais, describe qui besoin pour Jane capable envoyer Tom back encrypted document. Existe Tom pour capable lire. Allez, question, réponse maintenant par Goban. Tom will need to have a private and public key. Très and bien. Tom will need to send the public key to Jane. Très bien. Bon, ce qui Balgoban dit.
qui tombe, li bizarre qu'un gari li. Li bizarre acheter un private key avec un public key pour lui, pour tombe. Tombe ce public key avec private key. Et Balgoman, il vient dire qui tombe bizarre de Jane, tombe ce public key. Et Jane, qui vous faire, il vous prend tombe ce public key, il vous prend un crypt d'état là, il vous envoie tombe. Et Tom, il déjà et n'a ce private key. Tom, ce private key. Et il tout seul pour capable de lire. Ok. So, if you want an answer, let's write it like this. Ok, nous pouvons écrire là. Ok. Voilà. Ok. Allez, answer. Tom needs to have. Ok, moi, augmente l'écriture là, moi, pensez, je suis capable de suivre. Voilà. Ok, answer. Tom needs to have a pair of his public. Pay out his public and private key. Private keys. Correct? Null with. A Tom will give. Voilà. Tom, a minute. Tom will give his public key to whom? To Jane. Okay, to Jane. Voilà. Jane. Okay, a minute. Jane will use Tom public key to encrypt data before sending it to Tom. Et là qui va arriver, Tom will use his private key to decrypt the coded message, the ciphertext. To plain text. Bon voilà, ça c'est réponse qui m'a donné. Bah, le gouvernement bien répond. Voilà, moi j'espère que vous avez noté. Maintenant, d'autres questions, on va aller un peu plus vite. Explain why this method is much more secure than symmetric encryption. Bon, sa méthode là est plus bon que symmetric encryption parce que symmetric encryption il y a un problème avec symmetric encryption. Qui problème il y a avec symmetric encryption? Symmetric encryption, il dit à toi, qui n'est pas situé, ok, parce qu'il y a un problème de. Je vais t'écouter ça, il y a un problème de symmetric encryption, il y a un problème de. On appelle ça la symmetric encryption. Il y a un problème là-bas, que ben là, car il y a un salaire clé là, ok. So, on appelle ça, comment on appelle ça? Il y a un mot dans sa vie. Symmetric encryption, il y a un problème de distribution problem. Key distribution problem. Voilà. Bon, ok. Veut dire, nous répondre à sa question non? Correct là? Explain why this method is more secure. Veut dire, qui fait asymmetric asymmetric encryption is better. Ok. Asymmetric encryption is better. Why? Because it uses two keys. The answer. Asymmetric access encryption is better. Asymmetric encryption is better. Qui fait? Bien écrit. Asymmetric.
symmetric. Voilà. Asymmetric encryption is better because it uses two keys. Ok, et pas de problème de asymmetric encryption uses two keys compared to symmetric encryption which uses only one key. Compared to symmetric encryption which uses only one key. Veut dire asymmetric encryption n'est pas un problème de key distribution problem. Asymmetric encryption no problem of key distribution. Ok, asymmetric encryption does not have, they don't have problem of key distribution. Key distribution veut dire, voilà le directeur là, c'est arrivé dans symmetric encryption. Voilà, on regarde ça. Voilà. The one way to migrating the risk of symmetric encryption fall into the hand of the symmetric encryption, il va arriver, ben là, il y a un salaire là. Et ça, on appelle ça un problème de distribution, key distribution problem. Ok. Maintenant, nous prenons l'autre question. Bon, si jamais chat là terminé, ne vous rentrez là. Hein. Voilà, le tissu. Non, ça n'est plus un fil fermé. Ok, là, il peut ouvrir. Voilà. Question numéro 3. Allez, mais dès que ça se tourne là. For each of the following 10 questions, choose which of the 5 options correspond to the correct response. Allez voir. Maintenant, Nakul, Yari, bienvenue mon garçon. Allez, Nakul, Yari, pas là, absent. Oui, je suis là. Allez, right, il y a question là. What is meant by the term cipher when using encryption? Réponse. Réponse B. B. Ciphertext veut dire encrypted message. Es-tu d'accord? Ciphertext veut dire encrypted message. L'autre, Bisram? L'autre question? When carrying out asymmetric encryption, which of the following users would keep the private key? The receiver? Ok. Je ne sais pas, asymmetric encryption, on a dit la clé. Which of the user keeps the private key? Private key veut dire la clé me garde côté moi, the receiver. Voilà, the receiver il garde la clé. Et qui s'en la garde public key? Public key là, sender là. Sender là, il servit public key, il encrypte les détails après. C'est-à-dire receiver là garde la clé là, il garde the private key. Ok, très bien. Maintenant, les enfants, nous allons écouter après Bisram, Ganesh, Ganeshi. Encryption, which of the following is the term used to describe the message before it is encrypted? Oui. Avant de encrypter un message, comment l'appeler? Il est dans sa forme originale. Vous pouvez encore encrypter. Comment appelle ça? Simple text. Ouais, non, on appelle ça plain text. Donc, il y a un autre simple text, jamais une cause. Une cause plain text. Ok, réponse est plain text. Le prix là. Dans un autre, je vais vous montrer où. Voilà, attendez. Et dans notre slide, on expliquait ça en minute. Là. Plain text. Vous voyez, ce n'est pas juste simple text. Donc, plain text is a name given to the data before it is encrypted. Correct? Ce n'est pas juste simple text, c'est juste plain text. Plain text veut dire original data. Ok, maintenant, après Ganesi, on trouve. Nagesa, l'autre question. Non, attendez. Allez, est allé. Des rênes. Notre sort, voilà le ghetto. Nikhil, le ghetto, si tu n'as pas répondu à sa question, dis là. Which of the following is the biggest disadvantage of using symmetric encryption? Ouais, symmetric encryption, rappelle bien.
disservie, and c'est la clé pour encrypt avec decrypt. Which of the following is the biggest disadvantage? It only works on the value of key reads the same in both directions. The value of the keys. The value of the keys reads the same in both directions. Moi, préfère me cause there is a security problem. Okay, when transmitting the encryption key, je préfère eux. Eux, il y a un problème parce qu'il y a un problème sécurité. Parce que there is a security problem when transmitting the encryption key. Parce que même la clé de peut encrypt avec de peut décrypt. Je préfère réponse eux que ne peut cause de peut encrypt avec décrypt avec même la clé et il y a un problème de sécurité là-dedans. Correct? Allez, l'autre, après, Mouniapa. Which of the following is the correct name for a form of encryption in which both the sender and the recipient use the same key to encrypt and decrypt? A. A. Symmetric key encryption. Symmetric key encryption, très bien. Le zélé va se dire, Nikhil Taku. What of the following is the final number in the code which is calculated from all the numbers in the code? Its purpose is to find errors in the data entry. Ouais, data entry. Ne pas dire data transmission, là, mais data entry. What? B. Allez, right. Data entry, là, hein, qui diffère the final number is coded. When what is the final number in the code? Final number in the code that is calculated from the numbers in the code. Its purpose is to find errors in data entry. B. Checksum. Checksum. Vous pensez moi? Check digit. Ok, qui fait pas check digit? Parce que checksum lui servit de data transmission. Ok, checksum lui servit pour data transmission. Tandis que check digit, il y a un digit qui nous servit, il est calculated from all the numbers in the code. And it's purpose to find errors in the data entry. Vous préférez check digit. Ok, check digit, c'est un calculated digit from all the numbers in the code. Il y a des numbers in the code. Et c'est check digit qui servit ça. For data entry, surtout. Il n'y a pas de data transmission. Si c'est data transmission, from a block of data, il y a la différence somme, il y a ajouté à la barre, il y a un autre type de somme. Correct? So, réponse, c'est check digit. Allez, maintenant, les enfants. Taku fini, on me trouve Ubay. Which of the following is a form of error detection that makes use of a system of acknowledgements and timeout? Oui. Automatic clip. Yes. Oui, ARQ. ARQ veut dire Automatic Repeat Request. Très bien. L'autre, Sahil. Which of the following methods uses an extra bit added to a byte to ensure it contains an even number of ones or odd number of ones? Parity check. Très très bien. Parity check. Ok. L'autre, après Sahil. Les enfants n'ont pas reconnecté. Allez, pas grave. Richard. Which of the following uses a calculated value which is sent after a block of data? The receiving computer also calculates the value from the block of data and compares the values. Checksum. Très bien. Checksum. Ok, nous prenons notre question. Et Gopal. Which of the following describes the check where the receiving computer sends back a copy of the data to the sending computer to allow it to compare the data? Echo check. Très bien, echo check. Ok. Maintenant l'autre. Langor. Allez, Langor, fais-le faux. What is meant by symmetric encryption? Allez, Langor, pas là. Tuspi. Sautez pas.
made by symmetric encryption. Oui. It is a type of encryption that uses the same key to encrypt and decrypt data. Très bien. Oui, the symmetric encryption uses the same key to encrypt and decrypt the data. Très bien. Ok, Lut, après ces enfants-là, le ré retourne là-haut, non? Le ré connecté. Continue record, maintenant qu'il y a une vidéo. Allez, Balboban, quand on est arrivé là, mon garçon. Describe what is meant. Ouais, ouais. Non, 4 ans, on finit ça. Describe what is meant by symmetric encryption. Allez. It is a type of encryption that uses a private key and a public key to encrypt and decrypt data. Ouais, c'est-à-dire, on peut faire question 5. C'est question 5, c'est asymmetric encryption. Ok, et tu aimes bien dire asymmetric encryption, c'est à vie des keys. Et qui déquise les PCAV? Les PCAV, private key avec public key. Two keys, two different keys. C'est-à-dire asymmetric encryption, les PCAV, two keys. Private key avec public key pour connecter. Asymmetric encryption, Balgoban a raison. C'est-à-dire les PCAV, des keys pour connecter. Private key avec public key. D'accord? Maintenant, on continue. Regardez que ça se tourne. Voilà. Il sera bien rentré. Explain why symmetric encryption is used. Explain why encryption is used when transmitting data over the internet. Allez, Nakul. Explain why. Okay, explain why to prevent encryption. Hackers from understanding the data if they get hold of it. Très très bien. Là, Nakul, ce qu'il peut dire. Voilà, réponse à Lila. Il veut dire. If the data is intercepted by hackers or eavesdroppers, it makes it unreadable, okay, to interpret the message, okay. It cannot stop them from intercepting the data. It can intercept, but it makes them, it makes the data unreadable, meaningless. Voilà. It makes the data meaningless. Bon, vous pensez, Nakuline bien répond, okay, il est bon là. Les bons enfants qui sont rentrés, le guet est sinon causé des bertins, non. Allez, maintenant l'autre enfant, la couline finit répondre. Gopoline rentré. Mon pétard du bronze. T'allais nous répondre à la question là pour Gopol, mais nous continuons, nous. Voilà. Allez, sa question là, nous vous travaillons. Vous espérez de tout vous saisir là. Qui l'a naissé? Specimen Paper 2015. C'est dans ce bouclette qui est capable de travailler. Dans le forme 5, c'est dans le bouclette qui est capable de travailler. Correct. Allez, nous vous corrigez ça. C'est checké, nous tout le travail ça. Non? Là, l'IPCV, symmetric encryption. Et sa question là, nous vous donne ça, Bisram vous travaille. Correct. Bisram de la même. Oui. Allez, Bisram. Nous vous répondre à sa question là. L'IPCV, symmetric encryption. Et sa caractère là-dedans est substituted. Qu'est-ce que ça nous plaît, texte? Bon, moi, envoyez ça dans Paint pour te comprendre plus bien. Correct. C'est Specimen Paper 2015. Hein? Si tu n'as pas ce paper, je te retrouve bien là-bas. Voilà, Specimen Paper 2015. Allez, on met un code. On vient là. On prend une couleur rouge. Ça nous plaît un texte. Ça, regarde là. Ça. Ça nous plaît un texte. Ça. Ça en bas là, qu'est-ce que c'est ça? Le cipher texte. Voilà, ça le cipher texte. Correct là? Bon. Et là, les pédialus décodent des ciphertexts. Les pédialus donnent nous question à première partie, ils donnent nous un ciphertext. Voilà. Ça, ciphertext. Hein. Nous devons convertir ça à la faire un plain text. Bon, si ça le ciphertext, et là-haut, c'est le plain text, nous devons rendre alphabet A. Alphabet A qui peut venir, c'est là. Vous trouvez? Alphabet A peut décrit, les peut venir H. Est-ce qu'il t'en gagne comprend? Allez. Oui. Allez, maintenant faire les restes pour moi. Alphabet G qu'il peut faire. Depuis dans ciphertext, il peut venir plain text. Tu veux dire G, G qu'il peut venir, dis-moi. E. E. Bien bon. Allez, continue, dis-moi. Ça, G là, il finit E. Allez, B qui peut venir. Get B. Check là-haut, B. G. B, tu donnes trouver, il peut venir. Tu cherches,
Moi, je vais trouver Livin et le carte, moi, qui t'en goûte. Qui devait venir, dis-moi. L. Ok. Et encore un coup de B. Qui devrait venir, dis-moi. L. Astia, get M. M qui vient à Stéan, qui t'en goûte M. Root M là-dedans. M. Aïla. M qui peut venir. Oh. Aïe. Oh. Bien bon là. On va faire rire. Allez, qui alphabet, qui m'a bien là. Hello. Ouais, get ça. Ça, l'ici, ça bout là, l'ici appelle ça ciphertext. Ne peut décrypter de lui une hello. Maintenant, P. Get la P. On va pas finir là, hein, la P là. Allez, P qui vient, nous get un coup de P. Aïla. Il est bien. Un pinwin W, on va trouver. Ah ouais. On a raté la pinwin W. Allez, Jamako qui est venu. M. M vini. O. O. Bien bon. Après qui est resté encore, déjà? U. E. U qui est venu? E. Oui. Allez, encore. B qui vient. L. Après dernier on a Q. Q qui vient. E. Côte Q là, on va en trouver. Côte Q là. Oh là. Q qui vient. D. Allez, message codé, tu as voyé toi. Message codé, pas gagné pour moi, même qui n'écrit. Hein. Lettre décodé qui message t'a gagné. Hello world. Très bien. Allez, nous continuons l'autre question maintenant. Hein? Allez, ben, enfin, il comprend. Living Hello World. Nous décrypte ça d'état. Maintenant, nous retournons dans la question d'examen. Deuxième partie. Astel, qui donne-toi cette fois-là? Qui donne-toi? And convert these words to ciphertext. Qui donne-toi plain text. Qui donne-toi computer science. Tu as besoin de living ciphertext. Allez, c'est travail pour moi, écoute. Je vais te donner le temps là. Bon. Print screen, voilà. Je vais faire l'autre partie là. Bon, là, nous avons converti C vers living encrypted. Ça, c'est plain text. Bon, C, le plain text, tu as besoin de faire living cipher text. Mais tu as besoin de C là. C qui peut venir, les diamants. Il parle de sa direction là, c'est-à-dire. Living N. Allez, O. M. Ouais, allez, c'est Rodley, le diamant qui m'a dit pour venir. Travaille, là, si tu as écrit le mot d'écran, je vais écrire. Allez, vite. Computer Science qui est pour venir. Et qui l'année se dévoile ça? C'est Specimen Paper 2015. Ok, c'est travaille pas aux autres, il dévoile aux autres là. Donc, il était si tu as répondu à sa question là. Right. M qui peut venir, ouais, écris-le, très bien. Allez, écris-le, mon enfant. Ok, peut-être que code, c'est un mot qui appelle computer science là, voilà ce qu'il est venu. Allez, écrire, nous attendons. Oui, très bien, continuez. Voilà. Allez, right. C'est une gagnée. Hein. Maintenant, on prend l'autre question. Je vais essayer de lire si c'est un petit problème de dire. Hein. Maintenant, nous retournons avec papier l'examen. Allez, face d'abord l'écran là. Je vais finir de corriger. Ok. Bon. Both persons send the message and the person who receive it needs to know the substitution key.
a substitution key, and they need to keep it secret. A copy of the substitution key has been sent using SSL transmission. Explain why this keep why this keeps the copy of the key secret during transmission. Bon, le vrai garder secret parce qu'une fois que tu m'as gagné sa encryption key là, il est capable de décoder message. Bon, là, moi, tu m'as envie de get and cut post papers and minute or so. Voilà, the answer according to the marking scheme. Which is decrypt, which is hello world, which is encrypt, which is sa réponse. Et l'indianou du PCAV, qui l'indianou du PCAV, explain why this keeps the copy of the key secret during transmission. Bon, le PCAV, comment se trouver le PCAV? Secure socket layer. Secure socket layer is encryption method. The key itself is encrypted using a strong encryption. C'est-à-dire, le code de la clé là même. Le service secure socket layer, dans le chapitre, nous pouvons expliquer que le code de la clé là, pour du monde, si il y a la clé là aussi, il ne peut pas comprendre rien là-bas. Ok? Now, next question. Allez, prends ça. Describe two other methods of security that could attempt. Bon. 9 novembre 2016, papier 13, les because méthode de sécurité. Ok, il y a plusieurs méthodes de sécurité. Comment nous garder sécurité nos data? Mais là-dedans, je pourrais avoir plusieurs méthodes de sécurité. Nous pouvons un coup. C'est novembre 2000. Une minute. Voilà, je vais garder une question d'examen. C'est novembre 2016. Ok, papier 13. Ok. Et là, les pédiatres, hein, un staff currently use keyboard dans un restaurant, ils avaient keyboard, to input customer food order. Et qui désavantage avec keyboard? Si le KFC, tu peux servir keyboard, il y a un désavantage. Ouais, qui désavantage c'est pour servir keyboard? Ok? Maintenant, tu peux typer, please. Ouais, exactement. Si je type, le café est rire. Ok? Easy make mistake while typing, typing errors. Et keyboard est slow, vous êtes train du monde pour typer. Et keyboard est dirt, foot capable de le banquise, le keyboard. Ok? Il y a la KFC, si vous avez servi keyboard, je ne sais pas servir keyboard dans KFC, qui vous avez touch screen. Ok? Touch screen, input de l'écran avec touch screen, je sélectais. Ben, icons. Je veux dire, la question libre pour toi ici, qui des avantages servir keyboard dans un restaurant? Veut dire easy to make mistake, typing mistake, et les slow to enter to input, et bien strange moon, et dirt food can get into the keys. Ça c'est des avantages keyboard. Maintenant, de prendre l'autre question. Explain two benefits of making changes. Qui changes veut dire concept keyboard. Qui veut dire concept keyboard? Là, on va prendre une autre affaire. C'est pas un keyboard standard keyboard comme on nous sert dans nos laptops. C'est un keyboard qui est une photo là-dedans. Une keys là, une photo. Ou capable facile. On va dire une photo, un café, une photo, un menu là. Mais dire une keys là, gros, une photo là-dedans. On appelle ça concept keyboard. Concept keyboard est meilleur pour servir, mais touch screen plus bon. Bon, l'avantage, il peut faire ça sans moment là, il peut servir concept keyboard. Il n'est pas un standard keyboard. Quand on doit typer alphabet, mais il y a une photo de keys là. Mais ça, on appelle ça concept keyboard. Veut dire fewer typing errors because one button press and order is made. Comment dire? Comment dire? Tu peux choisir Coca. Il y a une photo Coca l'okiza. Tu peux choisir. Tu peux choisir Sprite. Il y a une photo Sprite l'okiza. Mais tu vas besoin de typer Coca. Tu vas besoin de typer un mot là. Mais tu peux taper là, il finit order. Veut dire l'avantage aussi, il est rapide pour faire un order. Tu peux press button. Tu vas taper un alphabet. Et less training is needed pour bien la servir. Et voilà, normalement les protective layer, mais les pas quoi affecter ban dirt ça. Maintenant, pas ça qui t'intéresse nous dans la question. Ce qui t'intéresse nous, c'est troisième partie. Troisième partie, il peut dire nous comme ça. Ok, qui mesure sécurité et non. Two measures of security added to improve security of data. Correct pour keep data safe. Là, une méthode de sécurité, c'est encryption. Qui veut dire encryption, code de data. Ok, if the data is stolen, it becomes meaningless.
Bon, et l'autre mesure de sécurité, c'est biométrique. Bon, qui veut dire biométrique? Veut dire part of the body is used to identify the person. Qui veut dire part of the body? Fingerprint, eyes, retina, recognition. Tout cela, c'est biométrique. Bio veut dire part of the body is used to identify a person before giving him access to a system. Les cas c'est fingerprint, les cas c'est eyes, retina, recognition, les cas c'est voice recognition aussi. Maintenant, il y a encore une méthode de sécurité, comme un firewall. Firewall, il alert si jamais il y a un unauthorized access. Hackers rentrent dans le système, firewall empêche. Ok, et le firewall il protège ou contre virus, contre malware, contre unauthorized access. Ok, voilà. Il y en a aussi spyware. Spyware, qui veut dire spyware, anti-spyware. Spy veut dire espion. Anti-spyware, il empêche un espion rentre dans le computer. Tout keys qui veut chipper, il peut log. Log qui veut dire enregistrer. Tout le monde qui presse. Veut dire, il prend pisse du monde. Anti-spyware, il prend pisse du monde. Spy le computer, il prend pisse maintenant. Gagne, ben hackers gagne ou qui log. Le key log veut dire que tout à fait que vous pouvez key in, vous pouvez chipper, il y a un peu de même. Bon, voilà une cause en question de sécurité en général. D'accord? Maintenant, on retourne avec l'autre question, d'après une bouclette. Voilà un autre papier d'examen qui nous peut prendre. Voilà, juin 2018, papier 12, question 12. Ok? Voilà. Selma has some important personal information that she needs to email to her employee. She wants to make sure that the personal information is not intercepted. It cannot be understood. Oh, hacker is capable of intercept, mais il faut make sure. It cannot be understood. Il faut faire meaningless. State how Selma could email her personal data more securely. Et describe the method chosen. Bon, cette question-là est assez intéressante. Juin 2018, papier 12. Voilà, donc il y a un coup de juin 2018, papier 12. Correct. Voilà, nous rentrons juin 2018, papier 12. Nous guettons un coup de juin 2018, voilà, papier 12. Voilà. Ok, et question 12. Voilà. Bon, sa question là, elle est relevante avec ce qu'il nous veut faire. Ce email, voilà. Ok. Bon, Salma qui besoin faire, her personal details qu'il peut envoyer par email, il besoin encrypté. Ok. Veuillez ce original data, ce email, c'est même ça plain text, il besoin her personal details. Ok. Ok, her personal details, il besoin encrypté. Ce personal detail, il a plain text, il a encrypté. Il a plain text contenir ce personal details. Il a encrypté using an encryption algorithm. Ça encryption algorithm même, c'est un appel ça encryption key. Il veut dire, dans plain text, il veut dire ce email, ce personal detail, il a là-dedans. Il a encrypté using an encryption key. Soit un encryption algorithm. Et il faisait convertir, il faisait venir un ciphertext. C'est un appel ça encryption. Encryption veut dire code sur des data. Ok? Et là, qu'il faisait faire, le key is transmitted separately. Il faisait avoir ça, key là, encryption key là, séparément from the plain text. Alright? Et qu'il faisait faire, le key là, le jeu du monde là, pour servir pour décrypter. Ça, ça fait texte. Mais il n'est pas besoin de vous dire ensemble. Mais tu es capable de dire, il est capable de servir asymmetrique encryption. Si tu servis asymmetrique encryption, il est beaucoup plus meilleur parce que tu servis des qui ou encrypt avec des crypt. D'accord? Voilà un décrire qui partie N, il peut servir encryption. Sous première réponse. Voilà. State how Salma could email her personal data more securely. Il vous servit encryption. Qui vous servit encryption. Voilà. Et expliquer, describe the method chosen. Bon, là, il explique symmetric encryption. Qui nous explique, il explique encryption en détail. Et le cas, il explique symétrique ou bien asymmetric encryption. Maintenant, il check un peu de sa question. Bon, je vais suivre.
OK. Voilà. Maintenant, Salma wants to make sure that the information received is correct. Voilà. Apporte CV encryption, libre CV parity check. Vous détectez s'il y a une réelle transmission. Describe another error detection method that can be used to check information received is correct. Bon, libre CV parity. Mais libre CV another method of error detection. Bon, là, on vous pose question. Choisir un élève. Algoban finit répond. Lui demande. Check some. Ouais, très bien. Un élève finit répond. Check some. Sinon, nous demande Ubay encore l'autre méthode de détecter erreur. Apporte parity avec check some. Qui dit qu'à servir? Oui, apporte parity avec checksum. Qui dit qu'à servir? Vous avez une réponse, Ninja. Checksum. Check digit. Ouais, tu as servi check digit. Encore l'autre méthode. Echo check. Réjamment. Echo check. Echo check, très bien. Soit une autre méthode. ARQ. ARQ, très bien. Ok. Ouais, voilà ce qu'on a. Mais c'est moi, je préfère pas dire check digit ici. Check digit, je préfère servir de data entry. Pour check credit card number, pour check. Credit card number, bank account number, barcode, ISBN. Pour data entry, moi tu préfères check digit. Moi pas préfère check digit ici. Non. Ok. Allez, maintenant, prendre l'autre question. Jeu 2019, papier 12, question 5. Ok. Allez, check sa question là. Identify security measures and describe how the measure can be used to take make sure that the music cannot be opened unless the date release. On lit la question là. Je viens de compagnie la musique et puis envoyer sur la musique online et tant que Paris date comment dire pour lancer la musique là il n'est pas pour lancer qui mesure de sécurité il est capable de faire. Ok, je vais ouvrir un papier là pour vous. Check ça, c'est juin 2019, papier 12. Je vais dire qu'il est déjà dans une bouclette. Ok, juin 2019, papier 12, question 5. Et j'ai 2019, papier 12, question 5. Voilà. Ok, question 5. Ok, nous réécrivons question 1. Bon, c'était bien compagnie la musique, ça. Il peut avoir sur musique online, le radio, et pas le web. Et musique des before release, ils vont avant arrive date pour release, personne pas pour avoir accès au lit pour ouvrir file là, tant pas arrive date release. Veut dire qui mesure de sécurité ne capable servir. Bon, mesure de sécurité qui ne capable servir, les pédiatres ne capable servir password protected. Veut dire tant pas arrive date release, personne pas pour avoir servir parce qu'il n'a pas password là, ou bien les avis encryption. Encryption veut dire les codes lits. Tant pas arrive date release, personne pas pour avoir des codes lits. Voilà, password protected ou bien servi encryption et là personne va pouvoir accéder avec lui. Correct. Maintenant on prend le papier d'examen. Ok, on pense même question. Papier 12, identify two security measures. On trouve même type de question. Explain how method how can keep the data secure. Bon, ça c'est papier 12 même, mais possible pas seulement. Sa music company. Ah, c'est parti B ça. Novembre 2019. Non, là, c'est juin, c'est novembre. Ok, company can use a range of security measures to keep data secure. Identify two methods that the company could use to keep the data secure and explain how each method can keep the data secure. Ok. Voilà. C'est là, il parle juin, mais il est novembre 2019. Papier 12. Novembre 2019, papier 12. Voilà. Voilà, novembre 2019, papier 12. Question, qui question? Qui question? 10. Question 10. 10. Allez, right. Nous vidons.
Voilà, question 10b. Très intéressant question là pour Banzé l'équipe à composer. Nous avons une méthode de sécurité 10b. Correct. Qui est une méthode de sécurité nous avons beaucoup de diversité. Ils étaient de cas de firewall. Mais qui roule un firewall? Ils monitorent ben le trafic, ils empêchent hackers et accès au système là, ils empêchent virus sur la accès au système. Ça c'est ma finition. Et je dis bien, le capable d'empêcher du moins accès au système pour servir password. Soit c'est biometric information. The biometric information, comme on dit à toi, data cannot be accessed without part of the body, comme un fingerprint, eye retinal recognition, voice recognition, facial recognition, speech recognition, c'est une méthode de biométrique. Ok? Il prevent a brute force attack. Ok? Qui veut dire brute force attack? Manière qui a un faux système là pour rentrer. Bon, encryption, encryption veut dire scramble data. Veut dire, nous savons, scramble data veut dire faire des meaningless pour du monde si qui intercepté ou data aussi, il n'est pas capable d'avoir accès à lui. Bon, nous avons 10 minutes avant la fin de sa session là, nous avons un papier d'examen, et juste après ça, nous pouvons faire papier 2 programming. Correct? Nous pouvons faire papier 2 programming entièrement. Veut dire, encryption de scramble data, il fait des meaningless, il faut du monde à qui pour décrypter data. Data là capable de stolen, mais c'est moins meaningless. Ils n'ont pas besoin d'accès, ils n'ont pas compris rien là. Maintenant, il y a une physical security measures. Physical security measures veut dire physique. Physique veut dire servir guard. Guard veut dire des gens qui veillent dans le computer room. Ou bien padlock, cadenas, keylock, keyboard lock, padlock. C'est une physical security measures. Cadenas, la clé, des gens, guard. C'est une physical security measures. Correct? Pour empêcher data theft. Veut dire des gens rentrer dans le computer room, dans le bureau, il prend le computer, il y a aller. Et ça, pour empêcher ça, physically, nous servons guard, G-U-A-R-D, veut dire un gardien, un jimoun, ou bien servir keyboard lock, soit padlock, cadenas, etc. Bon, anti-spyware, veut dire anti-spyware, il protège le computer contre un spy. Le spy, c'est un jimoun qui rentre dans le computer, il met un keylogger, tout le monde qui presse, il peut accès. Correct? On prend une question maintenant, on finit de discuter ça. Maintenant, novembre 2019 même, mais papier N3. Correct, intéressant. On va voir qui est le numéro ça, qui est un petit peu trouvé. Data data stored in by the library is archived. Archive veut dire keep it in a safe place. Got data, ce qui n'est pas bizarre. Unwanted data, store it if not needed at the end of the day. Archive is held on a server. Qui veut dire archive? Veut dire, ou prend un data qui pas bizarre, qui ou pas bizarre et bizarre là, ou peut archive-li. Archive-li veut dire store-li for future use or later use. Et qui différence dans le backup avec archive? Backup ou faire un data qui est important ou garder si jamais le système l'a fait ou qu'il reste. Mais archive ou tient un data qui pas bizarre, irrelevant, il peut faire beaucoup dans le système. Ou tient-li ou garder une autre place, on appelle ça archive. Mais tous les deux, backup avec archive, tous les deux, nous tiens des data de garder place. Mais backup, ben des data qui est important, le save-li, ou si jamais le système l'a fait, nous restons-li. Mais archive, nous tiens des data qui n'est pas bizarre. Tu peux faire beaucoup dans le système, tu peux faire lourd, faire un système une slow, pour roder tout ça. Ça nous archive. Ok, mais j'espère que vous comprenez qui veut dire backup avec qui veut dire archive. Data is encrypted, il peut servir 8-bit encryption key. Ok? As some of the data is confidential, the library wants to make the encryption more secure. State how the library could make the encryption more secure. Et the term used to describe the data before it is encrypted is plain text. State the term used to describe encrypted data. Ok, voilà, nous vous répondons à cette question là. C'est novembre 2013, papier. Novembre 2013, qui papier? Novembre 2013, non? Voilà, papier 13, qui numéro? Non, c'est une bonne guitare. Voilà, novembre 2013, numéro ne pas connu, mais section B. Ça. Voilà, section B. Vous pensez de là? Okay, question N même, non? Voilà, alors nous répondons à la question. State how the library, bon, library là tu peux servir 8 bits
encryption key. Bon, tu as là, tu te rappelles, nous avons un héros d'expliquer qui veut dire encryption key. On pensait là, les peux expliquer là. Voilà. Ça, la symétrique encryption, qui est un encryption key, là, que le chiffre est servi. Mais ça, c'est pas un chiffre, là, il peut servir bit. Bon, si il peut servir un 8-bit encryption key. Et comment tu as fait encryption là, avec more secure? Tu servis plus qui 8 bits. Voilà, l'idée de toi. To increase the length of the key. Make it 12 bits, etc. Il peut être more secure. Alright? Question pour moi? Ok, je peux comprendre sur encryption key. Voilà, là, nous pouvons ça. Encryption key, comme ça. Non, là. D'ici, c'est bien encryption key. Là, ça, l'exemple, là, nous disons. To save more bits or more keys. C'est une plus longue. C'est une plus longue, c'est plus difficile pour décrypter. D'accord? Mais déjà, ici, c'est avec. Qui c'est avec elle? Ici, c'est avec 8 bits. Mais c'est avec plus longue. Un encryption key plus longue, 12 bits. Il est plus difficile pour décrypter. Maintenant, the term used to describe the data before it is encrypted is plain text. Bon, avant d'encrypter, il y avait ça plain text. C'est the term used to describe encrypted data. Allez, encrypted data, qui vous venez? Je demande aux élèves sa question là. Ciphertext. Ouais, très bien. Ciphertext. Correct. Il y a encrypted data avec sa ciphertext. Correct. Allez, allez. On prend une autre question. Juin 2020, papier 12. Ouais, mais espérez-nous, on a le temps, on a 4 minutes restées. Ok. Il y a une question là. A company collects and store data about its customer. Il peut garder ça dans le serveur. Et the data is transmitted on cloud. Ok, le cloud veut dire l'internet qui peut servir, créer des backups. Backup veut dire garder des data qui est important. The data is encrypted using symmetric encryption before it is sent to cloud. Describe symmetric encryption. D'accord? Juin 2020, papier 12. Allez, aide-moi un coup. Juin 2020, si je vais trouver. Juin 2020, papier 12. Voilà. Juin 2020, papier 12. Voilà. Quel numéro? C'est un Getly 3. Allez, question 3, très bien. Bon, question là qui peut demander toi, explique symmetric encryption. Voilà, symmetric encryption use the same key. Encryption key is used. It use the same key. Same key is used to apply to convert plain text into ciphertext. Et same key to convert ciphertext into plain text with a decryption. Quand je vais trop vite. Ça, c'est symétrique encryption. Nous déjà répondu. Ouais, on peut faire papier d'examen. Maintenant, give, quand même interesté, 3 minutes. Give three other methods to secure data. Ouais, 3 autres méthodes pour secure data, nous faire. Ça fait le bécozo. Là, firewall, password, physical method. Si physical method, il y a des locks, hein, padlocks, keyboard locks. Mais même les bécos, CCTV, caméra, et il y a aussi guards. Ok, et asymmetric encryption, etc. Disconnect the network. Voilà, plusieurs méthodes de sécurité qui Cambridge peut accepter. Ok, je vais review ça vidéo là. J'espère que c'est cool. Ouais, c'est très cool. Ouais, le carré est ça, bonne réponse. Nous discutons avec papier d'examen aujourd'hui. Maintenant, novembre 2020, papier 13. Allez, je vais demander hein, question 6. Correct. Bon, les temps bien limités là, il y en a combien de minutes restées? 2 minutes restées. Ok. Allez, le mot qui nous a poussé à vie, c'est algorithme, alphanumérique, cookies, cipher, keys, padlock, paysan. Allez, nous avons rempli ce mot là. Nous sommes guettés, ça n'a qu'à remplir. Nous guettés qu'ils allaient plus rapide là. Allez, nous donne sa question à Richard. The data is encrypted using a key. This is an algorithm that is used to scramble the data. The data before encryption is known as plain text. Très très bien, continue. Is known as plain text. When the data has been encrypted, it is known as ciphertext. To read the encrypted data, it needs to be decrypted using a key. Oui, soit les keys, soit les algorithmes. Les cas swap ban mot là. Keys avec algorithme, les capables swap. Ok, c'est ça vient là-haut, le termine en bas. Maintenant, nous avons une réponse, nous avons 5 minutes. Qui l'a mis ça? Aide-moi un coup de vite.
novembre 2020. Allez, nous avons une réponse. Bon, si les coupé, nous vous rentrer dans ça, hein, papier de là. Papier N, nous vous dire au revoir là. Hein. Allez, attends. N, mille restez. Novembre 2020, qui papier hein? 13. Papier 13, qui numéro 6. Allez. Ça, Richard, fin de sa réponse, moi, tu as accepté sa réponse. Tu as trouvé là, premier là, le cas alter. Soit tu as dit qui soit algo exemple. Et dernier là aussi, le cas alter. Soit tu as dit qui algo exemple. Si moi, déplace, tu ne peux pas dire qui. Et là-haut, si une place, tu sais avec qui, en bas, tu sais avec algo exemple. Si là-haut, tu sais avec algo exemple, en bas, tu sais avec qui. Ok, le cas swap. Ok, mais c'est pas grave. Non, mais je vais casser avec un mot d'écoute. L'India, c'est horrible. Casser avec un mot d'écoute. Allez, right. Ok, good. Maintenant, parce que nous arrivons à la fin, si jamais les couper, nous vous dire au revoir et nous vous rendons déjà un papier. Correct? Allez, nous dire au revoir. Et nous stop sharing. Nous espérons banzeler pour reconnecter. Mais c'est moi si je reconnecter, d'après moi, je tenais l'autre code là. Hein? Je tenais l'autre code pour rentrer pour papier D. Et papier D, nous vous recollecter. Et dans les 3 minutes, nous commencer. Ok, bye.